Avec leur physique imposant et leur tenue flashy, pas facile pour ces drôles de touristes de passer inaperçus. Vous savez qui c'est devant ? Non, pas du tout. Vous Je croyais que c'était des basketteurs, mais vu leur taille, mais bon. Des basketteurs ? Non, je sais pas. Une équipe de... Exactement, une équipe de cerveau-là. Italienne ? Ils viennent du Koweït, vous vous rendez compte ? Oh, bah dis donc, ils viennent de loin. Ils doivent être un peu frisqués ici. Très sympathiques en apparence, ils sont surtout là pour la compétition. Leur défi cette année, faire voler le plus grand cerf-volant au monde. Tout droit parti du Koweït, le géant des airs arrivera demain matin à Berck, en camion. À quelques heures du début du festival, c'est l'heure du petit déjeuner pour l'équipe koweïtienne. Le plein d'énergie, pas que dans les assiettes. À table avec eux ce matin, Peter, le concepteur britannique de leur plus beau cerf-volant, accessoirement aussi le plus grand au monde. Regardez, il fait 150 mètres sur 65. Et vous pensez que vous allez vraiment pouvoir le faire voler ? Oui, pour qu'il s'envole, il faut un vent parfait, comme celui qu'on trouve ici, à Berck. Un colosse arrivé ce matin du Koweït. Dans cette bâche en plastique, l'air de rien, 3000 heures de travail, 300 kilos de tissu. Un géant qui appartient à notre équipe koweïtienne. Mais aujourd'hui, le vent les inquiète. Beaucoup trop fort. S'il ne faiblit pas, demain, impossible de le faire voler. Andrew. Yeah. Ça va ? Le public n'arrive pas à nous solliciter. Il me demande si le cerf-volant va pouvoir voler ou pas. Je ne sais pas quoi leur dire. J'ai besoin d'une réponse. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que ça dépendra de deux choses. Du vent et de la marée. Pas vraiment une réponse tout ça. Et si le responsable de l'équipe en savait plus ? Pas très difficile à trouver. Il a carrément planté sa tente bédouine en plein milieu de la plage. Pas le temps de poser une question. Allez, tenez, buvez ça. Regardez, on a ramené ça du Koweït. Ça sert à moudre le café. Chez nous, dans le désert, on s'en sert comme une invitation à venir prendre le café. Ça fait différentes petites notes. Volera, volera pas. Pour nos koweïtiens très philosophes, une seule réponse, Inch'Allah. Sur la plage de Berck ce matin, ça déménage. Les responsables de cette agitation, toujours les mêmes, notre équipe koweïtienne. Exit les cabines de plage et tant qu'à faire. Ils font tout ce qu'ils reculent là. Eux aussi. Vous savez ce que c'est ? Le plus grand cerf-volant du monde. Voilà. Exact. Dans ce gros sac, un géant de 150 mètres sur 75. Plus grand qu'un terrain de foot. Rien que ça. Pour lui, trois engins et pas moins d'une trentaine de personnes sont mobilisés au sol. 150 mètres carrés de tissu qu'il faut déplier. C'est pas trop lourd tout ça? Aussi, c'est vraiment lourd. Yes. 300 kilos qu'il faut ensuite amarrer au tracteur. Au milieu de la ruche, sept hommes au look d'archéologue. C'est Peter, rappelez-vous, le designer britannique du cerf-volant. Your dream is coming true. Votre rêve devient réalité, là. Oui, enfin, bon, disons plutôt que, voyez, mon cauchemar, c'est qu'ils ne volent pas. Volera, volera pas. Pendant ce temps, impossible pour André et sa clique de décrocher. À l'autre bout de la plage, ils continuent d'assurer le spectacle. Leur record à eux, une 15e participation au festival et la promesse déjà de revenir l'année prochaine. Vous faites quel genre de figure ? Expliquez-nous. Alors là, on va faire l'embrouille. L'embrouille.
faut voir, c'est particulier. Go! Go! C'est moi de la place, les gars. Go! Mon enfoiré. Go! Go! C'est quoi l'embrouille? Go! C'est ça, c'est une embrouille. Go! Ça part dans tous les sens. Leur embrouille, les Koweïtiens l'ont à peu près résolu. Au bout de 2 heures, le géant commence enfin à prendre forme. Voilà. Là, on attend qu'il se gonfle tout doucement. Et vous allez attendre combien de temps comme ça? J'en sais rien, c'est vraiment quand il voudra. Une demi-heure, le temps pour le colosse d'emplir ses poumons de près de 4 tonnes d'air. Puis soudain, enfin, son envol. On a essayé 3 fois de le faire voler au Koweït, mais à chaque fois, il y avait trop de vent. On n'a jamais réussi. Ici, on l'a fait. C'est impressionnant. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Ouais. Nous, en plus, avec le beau temps, là, c'est ouais. Super journée. C'est fantastique. Plus de 30 000 euros pour cette raie géante et des Koweïtiens fiers comme s'ils avaient marché sur la lune. Un gigantisme qui n'a pourtant pas fait d'ombre aux autres cerfs-volants. Des créatures aériennes qui continueront d'évoluer jusqu'à dimanche sous le regard bienveillant de Gérard, notre organisateur. Lui aussi a déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine. D'ici là, souhaitons-leur à tous